L'archange s'est envolé. Vous me direz, c'est presque normal pour un ange. Sauf qu'il a utilisé un hélicoptère et qu'on va le déposer pour cause de restauration. Nous parlions il y a un instant de la restauration du patrimoine. Il s'agit de la statue qui surplombait l'église abbatiale du mont Saint-Michel, 4,50 m de haut, une tonne, le tout rongé par l'air marin. Et pourtant, quel joli spectacle ce premier vol de l'archange. Ça a fait planer Christian Héroux sous les yeux de Jean-Claude Darrigaud. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? D'habitude, j'ai droit à un coup d'œil, discret. Mais aujourd'hui, quel monde! Il ne faut pas vous étonner, grand Saint-Michel. C'est votre habillage qui les intrigue. Et puis, il va y avoir du spectacle. Ça y est, je l'entends. Il s'approche. Me jauge. M'accroche. Pas facile tout ça. La première difficulté, c'est le positionnement. Sur un endroit très élevé où on n'a aucun point de repère, à part cette petite perche donc qu'on a fait installer. Et puis là, vous le voyez, c'est le vent. Hop, c'est parti. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça souffle alors? Croyez-moi, si je ne pesais pas une tonne, je me serais déjà bougé tout seul. Mais depuis 1897, avec les coups de vent, les coups de mer, les coups de soleil, je me suis complètement oxydé. Sans doute émue par son périple, pendant quelques minutes, la star du mont a gardé le silence. Elle savait tout, sauf le vrai pourquoi de sa promenade hélicoptérienne. En fait, si elle avait pris l'air d'une autre manière que d'habitude, c'était en raison de son caractère de trésor national. Nous avons un patrimoine qui est probablement l'un des plus riches de l'humanité et qui est malheureusement menacé. C'est ici, c'est l'Arc de Triomphe, c'est Fontevraud, c'est un certain nombre de basiliques, de cathédrales, de monuments français qui sont menacés. Et je proposerai prochainement au Parlement une loi sur les 5 années qui viennent, 88-93, pour faire en sorte que l'effort de l'État, comme on l'a fait pour le Mont-Saint-Michel, soit augmenté. Eh oh, je suis là! Dites-moi, combien ça va coûter mon lifting? 380 millions de centimes, grand Saint-Michel, mais rassurez-vous, c'est l'État qui paiera, aidé peut-être par quelques généreux mécènes.